sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai plus mes bagues. Donc du coup, trop contente. Alors, tout est clean, genre, trop contente. I love you. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire un haul Los Angeles. Donc j'étais à Los Angeles au mois de juillet avec une compagnie que je vous parlerai plus tard, etc. C'était trop trop bien, j'y suis allée avec ma copine Agathe que vous connaissez sûrement. Et donc j'ai acheté quelques petits trucs. On a craqué le slip. J'espère vraiment que ça vous plaire. Je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéresserait ou pas, parce que des hauls je crois que j'en ai fait pas mal. Et je crois que ça date, je crois que ça fait au moins... ça fait belle durée que je n'avais pas fait d'or en fer, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager mon petit haul aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite. Donc en premier j'ai acheté, donc dès que je suis arrivée, en fait je suis allée à Santa Monica avec Enzo, Litan et Agathe. C'est trop trop bien. En gros c'est Lifeguard, genre en fait je sais pas si vous connaissez cette marque là, c'est secouriste en fait, vous savez, des mers, genre des sauveteurs quoi. Et donc du coup voilà, ça c'est la marque officielle. Et du coup on trouvait ça stylé avec Enzo et Agathe d'en acheter un. Du coup on en avait un en commun, rouge comme ça. Il y a marqué Santa Monica, Californie. Voilà, je trouve ça trop trop cute. Enfin, un souvenir symbolique en fait, entre guillemets. Enfin c'est grave symbolique en fait, parce que je l'ai acheté avec mes potes et tout. Et c'est grave symbolique et j'étais tellement contente, si vous saviez, que j'étais d'être à Los Angeles. Donc voilà, sur l'autre manche, voilà, je le trouve hyper stylé. Et il y a marqué aussi sur la capuche Lifeguard. C'est trop confortable en plus. Je me suis dit je vais faire mes meilleures nuits avec. Du coup voilà, trop contente. Vous les trouvez le même. Alors il y a beaucoup de contrefaçons à Los Angeles. Nous je sais qu'on a acheté la vraie marque. Après vous pouvez acheter la contrefaçon hein, comme vous voulez. Moi je l'ai acheté 45$ je crois. Mon haul n'est pas très très grand. Déjà je vais vous prévenir parce que tout le monde s'attend à un truc de ouf. Sûr que ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal à mon porte-monnaie. Vraiment j'étais là, mais tout l'argent il part, genre Uber, la bouffe et tout. My god, j'étais là, mais où est-ce que ça va tout ça? Je suis allée quand même, par respect, je suis allée à Victoria's Secret. Voilà, j'étais trop trop contente d'y aller, parce que comme vous le savez peut-être, il n'y en a pas beaucoup en France. Genre il y en a dans les aéroports et tout, des bails comme ça. Moi j'ai acheté ce petit truc là. C'est un, bah c'est un soutif sans armature en fait. Voilà, pour dormir ou je sais pas, n'importe. J'ai trouvé trop trop cute. Il existait en plein de couleurs. Enfin voilà, il était super super cute. On a acheté un. Je le trouvais trop beau. Je crois qu'il a coûté 17$. Je suis pas très sûre. C'est de la marque Pink en fait, parce que vous savez, Victoria's Secret, il y a Victoria's Secret et il y a aussi Pink. Et Pink c'est plus pour les adolescents. J'ai pris la culotte qui va avec, mais je l'ai pas, elle est au sale. Et j'ai pris une autre culotte du même style, genre en dentelle, et il y a marqué Pink, genre comme ça, voilà. Et je l'ai pris aussi en rose, du coup ça va avec l'ensemble. Franchement, cette marque, on est d'accord, ça coûte super cher pour ce que c'est, mais bon après c'est tellement reconnu, genre. Pour le ticket, bah alors, oh my god, non mais en fait ça m'a pas coûté 17$, je raconte n'importe quoi. Bah, la brassière que je vous ai montré tout à l'heure, elle m'a coûté 24$, et culotte chacune 10,50€, l'une. C'est un peu cher, je vous avoue. Pour 3 trucs, mais bon c'est pas grave, on était à Los Angeles, je me suis dit vas-y, pour une fois que t'es à Los Angeles, profite ma soeur. Ensuite je suis allée à Michael Kors, je vous ai gardé le petit sac pour vous montrer. J'avais acheté un porte-monnaie à ma mère et je savais que ça allait lui faire trop plaisir, donc je sais plus combien ça m'a coûté du tout. Je me suis pris un petit sac à main, donc en fait je sais pas si je regrette de l'avoir acheté. Ce que je voulais dire aussi, c'est que aux États-Unis quand tu vas à Michael Kors, il y a énormément de déductions. Moi je sais qu'il y a moins 70% sur toute la boutique, donc c'est pour ça que j'ai foncé, que j'ai acheté pour ma mère, etc. Donc je me suis acheté ce petit sac à main, donc je sais pas si je regrette de l'avoir acheté en fait. Voilà, il y a des petites pochettes comme ça, c'est sympatoche. En fait j'avais pas de sac blanc, de sac à main blanc, donc je me suis dit vas-y prends-le. Je regrette quand même pas de l'avoir acheté, mais j'aurais pu je pense trouver un truc meilleur. Ensuite, c'est Bath & Body Works, je sais pas si vous connaissez, en fait c'est une marque qui est que sur les États-Unis en fait. C'est tout ce qui est bain, je sais pas comment dire, bien-être, etc. En fait, j'ai pris un gel pour les mains parce que en fait quand j'étais petite je regardais les youtubeuses et à chaque fois qu'elles allaient à Los Angeles, elles allaient à Bath & Body Works et elles prenaient ça. Et à ce qu'il c'était trop trop bien, genre en gros quand vous lavez les mains. Voilà, 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 la conne, la conne. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Juste le fait que ce soit, bref, Fuka, je trouvais super cool. Il sent super bon, il sent la cerise. Donc voilà, trop contente de l'avoir acheté. Je sais plus du tout combien il m'a coûté ce truc-là. Contente. Et j'avais acheté deux gels pour les mains, bon, j'en ai trouvé qu'un seul. Marshmallow Pumpkin Light.
Pumpkin. Je me suis acheté un gel antibactérien parce qu'ils sont reconnus surtout pour leur gel antibactérien. Là, je voulais quand même en acheter un. Super, super bon. Et à l'intérieur, il y a les petites billes. Et voilà. Trop contente de l'avoir acheté. Je crois que ça m'a coûté, attendez, 1,75$. C'était juste histoire d'eux et je regrette pas du tout, ça sent super bon, etc. Et en soi, c'était pas trop onéreux. Du coup, voilà, je vous conseille si vous allez à Bath & Body Works, à Los Angeles ou aux États-Unis, n'importe où. Pris un petit jogging. Alors, pour changer, si vous me connaissez, j'ai énormément de jogging, mais j'adore, hein, j'adore. Pourtant, je n'ai pas le droit d'en porter au lycée. Prendre mon carnet, c'est pas très grave. J'adore, je trouve ça canon. En fait, je viens pas au lycée avec un jogging pour être à l'aise. Je viens parce que c'est beau, parce que ça, tu vois, t'arrives, enfin, j'arrive trop bien à faire des tenues avec. Donc, du coup, voilà. Peu déçue, je vous avoue que j'ai pas trop le droit. Donc, j'ai pris un jogging Tommy. Comme ça, il y a marqué le Tommy, comme ça, voilà. Rien d'exceptionnel en soi. Le derrière, il est comme ça. J'ai pris du XS personnellement. Voilà comment il est devant. Et il y a les petites poches juste là. Donc voilà, moi je le trouvais trop beau. J'adorais la couleur. Agathe, je sais qu'elle a pris en rouge. Il est tellement confortable. Oh my god, je crois qu'il m'a coûté un peu cher. Par contre, je crois qu'il m'a coûté 75$. Ça faisait un peu mal au cul, je vous avoue. Mais bon, vas-y. On est l'avion et tout. Je le mettais trop confortable. Vraiment abusé. Il tient super chaud et tout. Donc voilà. Ensuite, grâce à Litan, je suis allée à une boutique qui s'appelle Paxson. Je sais pas si vous connaissez. Normalement, vous connaissez pas. Là-bas, il y a à peu près plusieurs marques, etc. Moi, je me suis acheté à Paxson ce petit t-shirt. Et en fait, je viens de me rendre compte qu'il vient de chez Brandy Melvin. Ce petit t-shirt débardeur, voilà. Vraiment très summer, hein, avec un petit diablotin au milieu. Très cute, donc il vient de chez Brandy Melvin. J'ai même pas enlevé le... espèce de truc là, qui vient de chez Brandy Melville. Il m'a coûté 13$, je crois, dans mes souvenirs les plus lointains. Paxson, j'ai acheté aussi ce t-shirt, donc voilà, je trouve tellement beau, genre moi je le mets avec un cycliste et c'est trop beau, ça rend trop trop beau, du coup voilà. Je dirais pas comme ça, mais je vous jure, genre bien associé et tout, j'adore, et lui m'a coûté 20$, je crois. Du coup voilà, content d'avoir acheté ce t-shirt parce que genre trop bonne qualité et tout. Enfin, vraiment, j'adore. Bon, on va parler chaussures. Je me suis acheté des Jordan. Donc, elles ne sont pas dedans. Hein. Je vais vous les montrer. Attendez. Je vous les montre. Alors, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Enfin, moi, j'ai montré à mes copines. Il y en a plein qui trouvent ça super moche. Alors, moi, je les trouve canon. Je suis trompée de boîte. C'est celle-là, la boîte de celle que je vais vous montrer. Jordan One Low Slip. Voilà. Elles m'ont coûté 100$. Et elles sont trop, trop belles, je trouve. Trop canon. Vous savez qu'en fait, je ne les ai pas les trouver en France. Donc, je les ai fait. Je les veux. Pas de lacets, il y a juste des petits boutons, comme vous pouvez le voir là. Et que t'accroches comme ça, tu clips. C'est comme ça. Bam, je vous montre. Voilà, je les trouve trop trop belles. J'en voulais trop des chaussures comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je sais que moi il y a plein de copines qui n'ont pas du tout du tout kiffé. Mais tant que moi que je les aime, on s'en fout, on est bien d'accord. Mais je les trouve canon. Vraiment, j'adore. Ça change d'habitude. Oh, deuxième paire de chaussures. Donc là, je prends la bonne boîte. C'est des Air Jordan One Mind. Ok. Le cœur, quand je les ai vus, je les... Oh my god. Oh my god. Trop belle. Une star. Vraiment, ma chaussure est une star. On est bien d'accord. Ça fait bien la caméra. Ça m'a l'air de mal faire. Ça m'a l'air très très fluo la caméra. Si vous voulez voir la vraie couleur, je sais pas si j'ai fait des photos sur Insta avec. Non, je ne crois pas. Pas encore. Tellement belle. Trop contente de les avoir achetées. D'ailleurs, ça va aller avec un t-shirt que je vous montrais tout à l'heure. Au canon, parce que déjà, personne ne les aura. Je pense qu'elles sont dispo presque aux États-Unis. Donc du coup, voilà, ça faisait longtemps que je voulais des Air Jordan 1. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est super original et que pas beaucoup de monde aurait tenté. Mais moi, j'adore les couleurs et tout. Même si on dirait pas parce que j'ai un t-shirt noir. C'était combien celle-là? Ouais, 90$. Le fameux t-shirt qui va avec mes chaussures. Tellement heureuse aussi d'avoir ce t-shirt. C'est un t-shirt de la marque Antisocial Social Club. C'est dispo que aux États-Unis. C'est pas possible de trouver ça en France. Enfin, en tout cas, ceux qui trouvent ça en France, je sais pas comment vous faites parce que moi, je galère. De très bonne qualité. Alors, par contre, il m'a coûté assez cher. Il m'a coûté 110$, je crois. Donc, un peu excessif pour un t-shirt quand même. Devant, il est comme ça. Voilà, avec. C'est une collaboration avec. Putain, comment elle s'appelle cette marque? Je sais plus comment s'appelle le lapin, je vous jure, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, c'est une collab. Qui c'est qui m'appelle? Mais tu t'en bats les couilles, hein? Mais je m'en bats pas les couilles, mais tu me parles plus juste parce que je t'ai insulté. Donc là tu rigoles là? Non. Arrête de m'en...
moi, je suis en train de rigoler. Tellement bien avec mes chaussures et un t-shirt cycliste. Je l'ai pris en M pour faire robe, vous voyez. Et comme celui-là d'ailleurs, j'avais pris en M pour faire robe. Et trop trop contente. Donc je l'ai acheté dans une boutique à Melrose Avenue. Et je sais plus, genre il y avait du Suprême et tout, que des trucs comme ça. Je saurais pas vous dire en fait où est-ce que je l'ai acheté exactement. J'ai appelé une copine pour savoir quel est le logo là. Playboys. Non, rien, c'est bon, je viens de trouver. Bah viens chez moi. Ok, allez, à toutes. On va avoir acheté avec mes chaussures, ça fait iconique avec un cycliste, du coup voilà. Et je crois que ce haul est terminé. J'espère que ce petit haul Los Angeles USA vous a plu. En tout cas, moi j'adore en faire. Donc voilà, je sais qu'on m'a beaucoup demandé et tout, donc je suis trop trop contente et tout de revenir un peu sur YouTube, quoi, d'être là, d'être... On est là genre, je vous fais plein de gros bisous, merci pour le soutien, en tout cas merci, merci, je vous remercierai jamais assez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie.